Le premier combat élite, c'est un combat pour dames, comme vous le constatez, qui met en présence Sedem Ama et Blanka Nagy de Hongrie. Sedem Ama, double champion du Ghana, qui est maintenant basé au Royaume-Uni. Et d'ailleurs, elle a gagné deux fois le titre de champion d'Angleterre. Elle est à son deuxième combat professionnel ce soir. On a eu la chance de l'avoir boxé déjà à Charleroi au mois d'avril. Effectivement, au mois d'avril, Charleroi, elle avait laissé une très belle impression. Ici, je dois dire qu'elle est tombée sur un adversaire beaucoup plus coriace. Les deux filles culminent au 1m80 à peu près. Donc elle n'a pas cet avantage d'allonge qui lui permettait de garder son adversaire à distance à Charleroi. Là, elle doit vraiment aller au combat et c'est peut-être un peu contre sa nature. Le premier round, je l'aurais donné légèrement en faveur de son adversaire. Mais bon, on va naturellement se fier au pointage des juges. Mais c'est un combat fort disputé. Effectivement, elle rentre mieux dans le combat en cette deuxième reprise. Ceci étant, Blanka Nagy est encore, je dirais, plus active et a trouvé sa distance. Hein. Il faut dépasser Sandrine ce soir pour gagner la victoire. Là, effectivement, il va falloir que Sedem il mette un peu plus. À chaque fois, Nagy revient avec des contres. Voilà, c'est la femme, belle droite.
là, on peut dire. Oui, j'ai l'impression que les deux filles sont présentes. On a oublié de dire, fin de la deuxième reprise, on a oublié de dire qu'il s'agit de filles de 69 kilos à peu près. Ce sont des super welters. Voilà, et alors dans le point de Canemana, on peut voir que l'entraîneur c'est Xavier Miller. Xavier Miller ne joue autre que l'entraîneur de Dylan White, donc il est un des grands noms de la boxe anglaise. Donc voilà, je partie de cette équipe londonienne qui a amené des grands champions. C'est vrai, Nama est pour eux, je pense, une progrès dans le futur. Mais voilà, parce que cette classe aujourd'hui, elle n'est pas vraiment facile. Effectivement, pour un deuxième combat, c'est son deuxième combat professionnel, on lui a quand même choisi une adversaire de niveau. Et quand vous parlez de faire ses classes, elle va en sauter quelques-unes de classes. De la première, elle va passer à la troisième parce que, effectivement, Blanca Nagy saisit ça du répondant. Allez, on va suivre avec attention ce troisième round. Les combats féminins sont en round de 10 minutes. Donc on a moins de temps pour s'exprimer, mais elles doivent aller un petit peu dans le vide, dans le corps. Voilà, ici on est sur un combat de 6 rounds, 6 rounds de 2 minutes. Voilà, le round précédent, je l'aurais donné à CD Mama, je ne sais pas ce qu'elle était en vie. J'ai vraiment le sentiment que, vu la chaleur, vu les conditions du combat, c'est vraiment à la condition physique que ce combat va se gagner et que, passé le troisième round, les choses vont se clarifier. Soit CD Mama va vraiment prendre l'ascendant sur son adversaire, soit elle va subir la loi de notre ami Bianca Nagy. Donc, nous sommes maintenant dans la troisième reprise. On va arriver à mi-combat et je pense que juste après ça, on va y voir beaucoup plus clair dans les intentions et surtout dans les possibilités de chacune des deux filles. Il y a un peu dommage, c'est qu'elle est obligée d'aller au combat, mais à chaque fois elle se fait un peu contrer dans l'axe. Clairement. Un petit peu de l'accès avant d'attaquer. Ouais, clairement. Je crois qu'elle a tout le bagage technique pour le faire. Ouais. Et on a le sentiment que les deux filles sont puissantes en plus. Hein. Ah, elle est comptée debout là ou... Ah non, c'est un avertissement public. C'est un avertissement public. Ah, là, elle perd le round de toute façon. C'est un peu dommage parce qu'elle est remontée dans le round. Ouais. J'ai pas vraiment vu la faute. On verra tout le ralenti. Je n'ai surtout pas vu l'arbitre l'avertir verbalement avant de lui donner cet avertissement public. Je trouve que l'avertissement est un peu rapide. Alors, que nous dit le ralenti ? C'est quand même léger comme faute. Hein. C'est, Ouais, tout à fait, sans aucune remarque, là, je... Étant donné qu'elle n'a pas vraiment pris le premier round, qu'elle l'équilibrait dans le deuxième, et qu'elle perd celui-ci à cause de l'investissement public, elle est menée. C'est maintenant le moment de vérité. Voilà, nous accueillons Marc du Village, un ancien champion qui passe nous dire bonjour. L'angoisse qui bosse quand même en ligne, elle est un peu rêve, mais elle est présente. Ouais, et elle est très active et surtout elle varie ses attaques. Hein. Je pense que Semet devrait surtout varier sa boxe. Elle va toujours droit vers l'adversaire. Elle
la, la tête, non, voilà, non, exactement. Je pense effectivement que c'est que ça fait partie de son apprentissage, c'est apprendre à boxer contre des filles aussi grandes ou même voire plus grandes qu'elle. Parce que là, elle va tout droit vers le direct du gauche. Et quelque part, elle ne trouve pas encore vraiment la clé, la solution pour contrer cette boxe. D'autant plus que notre ami Blanca Nagy est aussi puissante. Effectivement, sur ces deux victoires avant la limite, 4 défaites. Bon, c'est une fille qui boxe souvent à l'étranger, donc c'est pas toujours évident de venir avec une victoire quand on est... C'est clairement ça. En tout cas, elle est loin d'être ridicule. C'est un combat vraiment engagé aussi. Ouais. Et là, je trouve que Semé revient bien. Elle revient même très fort dans ce quatrième round. Elle est beaucoup plus rapide et quelques coups vraiment francs ont touché. Elle prend pour moi largement ce quatrième round. Elle réduit l'écart, effectivement. J'ai toujours un petit point pour Bianca. Mais les deux, le dernier round, effectivement, comme vous le dites, vont être décisifs. J'aime comme vous êtes stoïque quand la ring girl passe annoncer les rounds. Merci Alain. Ne répondez pas. C'était juste question de s'acquiner. Elle a tout intérêt à s'y remettre maintenant. Ça part directement avec un direct du gauche, un long direct du gauche de Bianca Nagy. Elle est très grande. Elle a 1m80, c'est ce que j'ai lu sur sa fiche. Et ses mains n'est pas beaucoup plus petit. C'est pas égal. Changer les angles, changer les axes. Voilà, le belle gauche. Des axes, c'est la solution. Elle est dans l'axe, c'est la plus grande. Donc, crochet gauche. Aïe. C'est étonnant parce que la boxe nulle revient quand même à un niveau. Effectivement, je me faisais la réflexion. Moi qui ai connu la boxe, qui ai commencé la boxe dans les années 80 où la boxe féminine n'existait pas, j'ai connu les tout débuts de la boxe féminine et quelque part on avait un peu de condescendance pour les boxeuses. Je vous assure que maintenant on les prend beaucoup plus au sérieux. Et quand on voit un combat comme celui-ci et qu'on prend conscience de la puissance que développent ces deux jeunes filles, on se dit qu'effectivement la boxe féminine vaut la peine d'être vue. D'ailleurs, tout à l'heure, nous aurons droit au championnat de Femke Hermans et vous verrez que c'est de la belle boxe féminine. Tout à fait. C'est un beau crochet gauche. Et elle suit encore avec nous. Elle ne quitte pas l'axe après, c'est cool. Elle reste toujours dans l'axe. Elle se fait contrer bêtement par des droites qu'elle peut éviter en bougeant la tête simplement. Quel est votre avis sur ce 5e round? Quel est votre avis sur ce 5e round? Moi je le donnerai avant des cédères. Je pense qu'elle est un peu plus active, elle a touché pas trop plus clair. Allez, je vais suivre votre avis. Ça voudrait dire que le dernier round, tout à fait. Et que malheureusement, cet avertissement public dans la troisième reprise risque d'être prépondérant. Enfin, on va voir ce qui va se passer dans ce sixième round parce que les deux filles sont puissantes et on n'est pas à l'abri d'une surprise.
c'est Aziz. On se croise les gants là, comme c'est l'usage. Et trouver le leur point. Ça y est, c'est parti. Début du sixième round. Voilà, bougez la tête. Voilà, touchez avec la gauche. Là, il s'est bien défendu, il a mis les mains. Deuxième, il a une touche tête avec le crochet. Il y a un coup de tête qui se perdait, ouais, c'est ce que j'ai vu aussi, un petit coup de tête qui se perdait. Il a été beaucoup plus sévère tout à l'heure. Ouais, je l'ai trouvé aussi extrêmement sévère avec cet avertissement public, sans avertissement verbal. Comme vous le disiez, comme vous le faisiez remarquer tout à l'heure, ses mains restent dans l'axe de bien Kanadji. Elle reste vraiment dans son axe et ce n'est pas la solution. Elle doit vraiment se déplacer, venir par les côtés, bouger, être mobile. Garde le cap. Ouais, tout à fait. Elle avance sa même gauche, ses droits dans lui. Oui, tout à fait. Ceci étant, c'est la sixième reprise et par conséquent, on se donne à fond parce que là, on sait qu'il y a une victoire à aller chercher. Vous voyez là, une belle attaque de CD Mamou. Et puis à chaque fois, elle oublie de remonter sa garde et il y a une petite gauche, une petite droite qui passe derrière de Nagy. Effectivement. En tout cas, c'est un superbe combat auquel nous assistons pour un premier combat professionnel. C'est la fin du combat. Elle a épuisé effectivement. Je serais tenté de mettre un match nul, mais comme on doit donner un vainqueur, on va le mettre pour Sémé qui a été un peu plus active. Ceci étant. Elle était un peu plus complète dans sa vie. Oui, tout à fait. Elle a été dans la ligne, dans le cours. Le récit historique, c'est pas. J'ai un 57-57. À mon sens, ouais. Ce ne sont pas en championnat, donc les juges ne sont pas tenus de désigner une gagnante. International, tout à fait. Qui
nice to see you again. Yes, hello, hello. We were together in April in Charleroi. Yes, indeed. Yeah. So, how was this fight? Tough fight. Yeah, tough fight. I had to dig deep. She's obviously very experienced. She was on the Hungarian Olympic team, so she's experienced. And I'm used to being the big girl in there, but she was bigger than me, so I had to learn a lot. Yeah, yeah, I've seen that. I've seen that. You're not used to fight against a girl taller than you. Yeah, I'm usually the biggest one, so I had to learn a lot on the job. But it was good. Definitely big learning rounds for me. I had to dig deep. Okay, okay. Seme, do you confident that you had won this fight? Because this warning you received in the fourth round. Yeah, I was a bit confused by that because she was doing a lot of holding, but you can't really question the referee. So I just knew that after that point deduction, I had to pull it out of the bag and I had to be aggressive. And that's where my heart comes in because I had to really dig deep. Seme, you made us happy once again. I wish you good luck for the rest of your career. And hopefully we see you again in Belgium. You love Belgium now. Yeah, I love Belgium.